vais vous présenter le patron de Pourquoi Buffy c'est génial. Suivez-moi. Il est là, il est debout. Il est là, regardez. Il est là, il est là. J'ai fait un post sur les internets. J'ai travaillé. Bravo. Et là, vous voyez, je me suis équipé. Photo marque. C'est comment ça marche? Je me suis équipé d'un microphone et je vais aller travailler. Je vais aller enregistrer des gens. Eh bien bonjour, c'est Big M et nous sommes à Paris pour la convention Slay the Vampires 4 qui est une convention Buffy et c'est la quatrième édition de CloudsCon. Ça se passe les samedis et dimanches 15 et 16 octobre 2022 et je vous invite à découvrir ça avec moi. Suivez-moi. Et nous aurons donc l'occasion de retrouver des guests incroyables comme James Masters, Mark Lucas, Julie Benz, Fina Urruce et Christine Sutherland. Named after? Yes. Just say yes. Yes, yes. It is. Okay. His parents. Your parents didn't like you. Would you mind pointing out your shirt? Oh yeah, sure. Cool. Sure. Ready? Riley. Yes. How are
you? I'm good. Yes. You? Yes. It's a nickname. It's a nickname. But I love okay. you. Yes. Okay. That's I might need a shirt. Ah, I need yes, to get tomorrow. It. Yeah. Tomorrow, yes? Yes, tomorrow. A clean one. Making you a memory, that's really all I need. All I need, all I need. I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high. I'm staying in this moment, though it's hard sometimes. But I work it out and once in a while, I feel love. Il a cru au début que je me moquais de lui, que j'aimais pas Riley. Tes parents te détestent et tout. J'ai dit mais non, c'est mon surnom et tout. Et après, bah, j'étais ému quoi. Et puis il m'a fait awesome man, yeah, you're good, you're so good, yeah. Il est trop génial quoi, il est vraiment sympa, il est rigolo. Ouais, moi je tiens à préciser qu'il a adoré le fait qu'on fasse un podcast français sur Buffy. Oui. Et voilà. Et du coup il veut un t-shirt. Il veut un t-shirt. Et demain faut qu'on lui remette un t-shirt. Voilà, il faut faire ça. Et il nous en reste ? Je vais me mettre une alarme pour prendre un t-shirt. Je crois qu'il y a des t-shirts petits, non ? Il y a des blancs. Il reste des blancs. Il reste des blancs petits. J'espère que c'est pas du S, hein, parce que... Je crois que celui-là, il prend du XL. Voilà, suivez le feuilleton de ce week-end à un t-shirt pour Marc. Merci. Bah, c'est cool. La photo de groupe. Photo de groupe. 12 euros. Non, 10 euros. Et donc, toi, tu gagnes à la tombola plus que à chaque fois, à chaque fois. Non, ce n'est pas truqué. Et si vous voulez quelque chose, appelez-moi. Beep me. J'ai gagné une tombola organisée par l'équipe de CloudScone et figurez-vous que j'ai gagné une photo de groupe avec l'ensemble des guests. Donc je suis trop content. J'avoue que je me sens pas forcément hyper légitime, mais je suis quand même un gros fan de Buffy. Enfin voilà. Pleinement dans mon rôle. Donc voilà, Fabrice, le nouveau personnage de Buffy. Dans le reboot. Dans le reboot, bien sûr. Peut-être que cette fois-ci, la Slayer sera un Slayer en ma personne. Thank you to be here. I'm a huge fan of Riley. First degree. Do we believe him? Yes, yes. C'est pourquoi Buffy c'est génial et on s'apprête à monter sur scène pour un panel incroyable pour cette fin de journée du samedi. Donc on va vous proposer une activité ludique et interactive. Ouais, c'est assez fou. Donc on a écouté plein de gens passionnants parler de Buffy aujourd'hui. Et maintenant ça va être à votre tour de parler de la série. Donc nous, tous les quatre, on fait partie d'un podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. C'est un podcast audio principalement, mais il y a aussi des versions avec la vidéo. Et le concept, c'est qu'on regarde un épisode de la série et on le commente scène par scène. On explique tous les dessous de la série, toutes les subtilités, les métaphores riches, beaucoup de métaphores cette série. Et on explique tout ça. Alors je me présente, je m'appelle Sartman, mes collègues Clément, Riley et Big M, donc tous ouais. Les quatre membres du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Le commentaire de l'épisode consiste à faire une analyse, des critiques, des anecdotes,
pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Exactement. C'est vrai que même au sein de certaines sagas ou rien qu'au cours d'un seul film, mais on peut souvent noter plein d'oublis, de faux raccords, de choses comme ça. Et là, c'est assez rare. Sauf quand il s'agit des lunettes de Tonton Giles, mais ça, tout le monde le sait. Et donc c'est sûrement là qu'il a mis un coup de coude à la cascadeuse dont on connaît le nom. Rappelle-nous le nom de la doublure, Bigam, la doublure de Sarah Michelle Gellar à la cascadeuse. Sophia Crawford. Crawford, voilà, exactement. Voilà, que je connais très bien, enfin pas personnellement, mais parce que c'est aussi la doublure de la Power Ranger rose originale. Qu'on adore les Power Rangers. Vous pouvez nous retrouver sur pourquoibuffycestgénial.wordpress.com et on fait aussi des lives sur Twitch. Tu veux nous rappeler l'adresse, Riley? Twitch.tv/pourquoibuffy et on fait des lives tous les 3 mois. Quand on a le temps. Et c'est aussi, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur YouTube et sur toutes les applications de podcast. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous. I might need a shirt. Hey, Max. You want a t-shirt? Oh, yes. Oh, this is awesome.
Thank you, Riley, my friend. Oh, oui. Oh yes. Is anybody? Really? I'm just kidding. Thanks. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. God damn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Paradise. I'm taking a mental picture in my mind just to keep this moment till the end of time. Know that it might be over after tonight. So before I change my mind, your hands around my waist, just let the music play. Like the drug, I am hooked on you. Merci. Press pass. Yes, that's right. Thanks for the shirt. Yeah, we are very pleased that you accepted it, that you wanted it, actually. Yeah, no. I need a new an oil rag for my tractor. No, I'm just kidding. That's a good one. Yeah. Patrice. Yeah, it's kind of a girl's name in the United States, right? You know what? I wasn't going to say that here. Okay. Maybe I was. Thank you very much. Thank you. Appreciate you, man. You came by. Thanks. Thanks for the shirt. Hope to see you again. For sure. Defiant saison 2 et saison 3. La saison 1 est déjà signée et à la maison. Met each other. Yeah. I hope that there's some friendships that were made this weekend because, yeah, frankly, you're all really cool people. Yes. So, except for Jerome. But if you want to make friends, do it now. Like, all the cool people are concentrated around you right now. Yeah. Yeah. Et qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo ? Bis next mal. Non, j'ai un petit peu fatigué. Un petit peu. Je vais rentrer dormir maintenant.
quoi. Merde. Ils sont venus, ils sont tous là. T'es gentil, abonne-toi.